La grève générale illimitée se poursuit pour les milliers d'enseignants représentés par la Fédération autonome de l'enseignement. Philippe, les parents doivent commencer à préparer un plan B parce que la grève pourrait durer un bon moment. Exactement, Véronique. Là, c'est 40 % des écoles qui sont fermées pour une durée indéterminée. On se rappelle que la grève générale illimitée de la Fédération autonome des enseignants a débuté mardi. Il y a eu 3 journées de grève, 1 journée pédagogique. Donc, on est déjà là à préparer la 2e semaine pour la grève générale illimitée. Et ce matin, sur les ondes de LCN, la présidente de la FAE a mentionné et a averti les parents de se prévoir un plan B parce que les négociations n'avancent pas au rythme souhaité. On peut justement l'écouter. Les gens, en ce moment, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont prêts à tenir le temps qu'il faudra. Parce que la situation ne peut pas continuer comme elle va. Ils ne peuvent pas concevoir qu'on sera un autre 5 ans dans la situation actuelle. Donc, il y a beaucoup de gens en ce moment sur les lignes de piquetage qui nous disent « ça passe ou ça casse, mais nous serons dehors le temps qu'il faut ». Donc, on peut s'attendre à être prêt à tenir le siège jusqu'à Noël s'il le faut. Oui, jusqu'à Noël. Mais Philippe, il y a des parents qui commencent à s'inquiéter là, du conflit. Ouais, depuis le début du conflit, la présidente l'a mentionné, les parents se rangent massivement derrière les enseignants. C'était bien pour la première semaine. Mais ce matin, mon caméraman et moi, on s'est promenés, on a été voir quelques parents, justement, à questionner sur les propos de la présidente, à savoir si le conflit perdure, et perdure jusqu'au mois de décembre, jusqu'au voir le temps des fêtes, ça commence à être beaucoup plus compliqué et il y a des parents qui commencent à s'inquiéter. C'est le cas notamment de la présidente de la coalition des parents avec des problèmes d'apprentissage. Là, on peut justement l'écouter, là, qui mentionne que chaque journée est importante. Si la grève se perdure, l'impact va avoir des répercussions sur des années. C'est des jeunes qui vont être affectés dans leur motivation à l'école. C'est des jeunes qui vont être affectés dans leur sens de ce que ça signifie avoir une réussite éducative. Et par la suite, ça va impacter l'image qu'ils vont avoir sur leur réussite personnel et professionnel. On vient d'entendre la présidente de la coalition des parents avec des enfants là, à besoins particuliers. Là. Désolé pour l'erreur un peu plus tôt, mais bon, on sait que le gouvernement là, est en négociation avec les professeurs, mais également avec le Front commun qui regroupe le milieu de la santé, le milieu de l'éducation, également l'aide juridique et plusieurs autres postes. Donc, ça fait beaucoup de négociations et le Front commun se réunit aujourd'hui, d'ailleurs, pour prévoir le plan pour les prochains jours, la semaine prochaine, pour les moyens de pression et également pour la négociation. À suivre. Merci, Philippe, pour les détails. À plus tard.